Vaincre l'échec par la résilience, c'était le thème de la célébration de la deuxième édition des week-ends du mérite et de l'excellence qui a eu lieu le vendredi 28 juillet 2023 à la Grande Chancellerie à Cocody. Cette cérémonie présidée par le professeur Henriette Dagry-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, a eu pour invité spécial Régis Bamba, start-upper tech et cofondateur de la fintech Jamo. Il a partagé son histoire et celle de Jamo Côte d'Ivoire avec des étudiants de différents établissements. C'est un grand honneur pour moi d'être invité spécial. La deuxième édition du week-end du mérite, pour pouvoir raconter l'histoire de cette entreprise, soit de mes collaborateurs, de mon associé à ça, c'est un honneur. Et j'étais très content de pouvoir la partager avec les jeunes, avec chacun de nos aussi, et avec toute l'assistance. Nous aimerions, en tant que jeunes, voir plus d'initiatives dans ce sens. Ça encourage à travailler et aller vers l'excellence. Et je remercie vraiment la grande chancelière pour cette initiative-là. C'est vraiment encourageant pour la jeunesse. C'est une initiative absolument formidable. La grande chancelière a encouragé les jeunes à devenir des modèles inspirants de demain. Reçois mes félicitations pour la persévérance qui a abouti à cette belle réussite. Mes chers enfants, vous êtes venus pour boire les paroles de votre devancier et en faire votre miel. Je vous encourage à faire preuve de la même détermination, de la même audace et de la même résilience que lui, c'est-à-dire Régis Bamba. Je vous encourage à devenir vous-même des modèles inspirants de demain pour vos frères et pour vos sœurs. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Alassane Ouattara qui a décrété 2023 année de la jeunesse, l'institution chargée de contribuer à l'émergence de nouvelles générations d'Ivoiriens pour lesquels la culture du travail bien fait et l'obligation de résultats doivent être au cœur des actions quotidiennes, a dédié cette édition à la jeunesse.